Le 13 octobre 2023, la sonde Psyché est partie de Floride à bord d'une Falcon Heavy de SpaceX. Cette mission, conjointe entre la NASA et l'agence spatiale italienne, a pour but l'étude et la compréhension de la formation du système solaire en se rendant dans la ceinture d'astéroïdes pour débusquer 16 Psyché, un des 10 plus gros astéroïdes de cette zone. Principalement ferreux, cet objet pourrait être le vestige du noyau d'une protoplanète suite à une énorme collision au tout début de l'existence de notre système solaire. La sonde est équipée de nombreux outils pour l'étude de l'astéroïde. Alors attention, les termes techniques vont fuser dans la suite de cette vidéo, mais pas de panique, je vous dis à quoi tout ça va servir. Pour commencer, une caméra haute résolution qui nous fournira des images à couper le souffle de l'astéroïde. Un spectromètre de masse pour déterminer sa composition. Un magnétomètre qui permettra de mesurer le champ magnétique de 16 Psyché. Un radar pour la cartographie de la surface. Un spectromètre infrarouge pour la température sur la surface et pour finir, un spectromètre neutronique pour étudier la structure interne de cet astéroïde. Je vous l'avais dit que les termes allaient être gratinés. Une des particularités de cette petite sonde de 2870 kg quand même, c'est qu'elle sera la première à utiliser des propulseurs à effet Hall pour l'exploration du système solaire, ce qui réduit de manière drastique la masse de l'engin. Mais pour faire fonctionner ces 4 petits propulseurs très gourmands en électricité, elle est équipée de grands panneaux solaires en forme de croix, ayant une superficie de 75 mètres carrés, donnant quand même une envergure à la sonde de 24,7 mètres de long, soit plus grand qu'un terrain de tennis. Elle devrait arriver à destination en 2029 et pourra nous transmettre des données essentielles sur la formation de notre système solaire, ainsi que des images à couper le souffle. Alors, pressé de voir le résultat? Réponse en commentaire et ne surtout pas oublier de liker et de t'abonner si c'est pas déjà fait. Allez hop là!